Salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le swap. Oh. Salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette-ci. Donc, je vous ai fait les trois autres palettes. Je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas à chercher. Et bien sûr, je fais encore cette vidéo qui est la dernière avec ma petite Manon. Donc, vous avez évidemment sa vidéo Swatch & Make-up également en barre d'infos. Donc, toujours palette, toujours au même prix, toujours en carton, toujours 18 fards de 1 gramme. Ici, on a des teintes un peu plus dark. Et c'est vraiment celle qui m'avait fait craquer dès qu'elle est sortie à Halloween. Je sais plus si c'est en 2020 ou en 2019. 2020, je crois. Et voilà, elle m'avait vraiment fait craquer parce que c'est vraiment idéal pour faire des smokies. Et vous savez à quel point j'adore les smokies. Donc, on ne va pas épiloguer pendant 3 heures. À la fin, on parlera un petit peu des 4 palettes, voir laquelle j'ai préférée et tout ça. Voilà, je vous laisse avec les swatchs en musique et je me rapproche et on attaque le make-up. Donc je vais tout d'abord commencer par poudrer mon arcade sourcilière puisqu'il y a un beige qui a l'air de très bonne couleur qui est le Miss Fortune juste ici. Et voilà, c'est un beige assez clair, un peu coquille d'œuf comme ça, mais ouais, il fait très bien le job. Très bien le job. Alors ensuite, je prends un pinceau boule, donc 231 de chez Zoeva pour changer un petit peu, et je prends le Nightmare. On attaque sévère. Voilà. C'est vraiment celui en transition qui me botte le plus. Donc ben, je vais utiliser ça en transition pour mon smoky. Donc creux, coin externe et ras de cils. Bon, encore une fois, pas trop de problèmes de pigmentation. La couleur est très jolie. Hein. C'est un violet un peu grisonnant comme ça. Mais j'aime beaucoup ce genre de teinte. Bien sûr, on commence à estomper le bord avec ce même pinceau. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus estompeur et je vais prendre la teinte Cackle. Cackle, ça me fait rire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait rire. Pour dégrader ce violet. Donc, il va peut-être être un petit peu trop foncé. Donc, je ne vais pas en prendre de trop. Oh, ça va. Mais il ne faut vraiment pas en prendre de trop. Donc, pareil, on fait tout le tour de l'œil. Hein. On reprend le premier pinceau pour bien flouter le violet à la teinte de transition. Et on finit avec un coup d'estompeur propre, comme d'hab. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Supernatural, qui est le noir. Donc là, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous conseille de bien tapoter votre pinceau pour éviter les chutes. Alors, chaque fois que je vous dis ça, c'est là que j'ai plein de chutes. Mais voilà. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile, partout. Bon, il n'est pas supra pigmenté. Donc ça vous laisse le temps de bien le travailler. Avec la tranche, j'en prends pour faire le ras de cils inférieur. Donc on n'oublie pas de relier ici dans le coin externe. Et on reprend le premier pinceau et on dégrade. Ok pour ça. J'adore les smokies. Alors avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la teinte bizarre. Pour remettre par-dessus le noir. Ouh, il est beau. Oh, il est beau, sûr. Oh, j'aime bien. On redégrade un petit coup. Et pour le coin interne, je vais prendre la teinte Possess, ici. Qui est un petit argenté, un peu petit. Très joli. J'aime beaucoup.
Ouh, j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là aussi, pour le coin interne, il doit être pas mal. Il y a celui-ci aussi. Celui-ci qui est plein de paillettes. Il y a un smoky avec ça. Oh, oui. Je crois que j'ai beaucoup aimé cette palette. Ok, ben écoutez, pour un smoky, je peux pas mettre plus de teinte. Donc, je vais mettre mascara comme d'habitude, crayon noir comme d'habitude. Je vais pas faire de liner. Par contre, sur les lèvres, j'hésite. J'ai envie de mettre du noir, mais ça risque de faire très 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 dark. Non, on va rester soft, je vais mettre le Sleep Tease de chez NYX avec mon crayon NYX en contour, enfin sur les lèvres, et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà le look final avec cette petite palette. Et bah écoutez, j'aime beaucoup. Après, je suis accro au smoky, donc je suis peut-être pas la mieux placée pour parler de cette palette parce qu'elle m'inspire quasi que des smoky. Vous pouvez faire d'autres choses, hein, mais voilà, je la trouve tellement idéale pour les smoky. Vous avez toutes les teintes pour faire des smoky et tout. Avec celui-ci, ça doit être du somptueux. Oh, j'ai envie de faire plein de smoky. Voilà. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Moi, ouais, vraiment beaucoup. Elles m'ont vraiment bien surprise, ces quatre petites palettes-là. Je n'en reviens pas. Voilà, je suis ébahie. Donc, n'oubliez pas que vous avez la vidéo de Manon en barre d'infos pour aller voir ce qu'elle a fait avec cette palette. Et pour débriefer un peu, je vous remets les quatre, hein, en barre d'infos aussi, comme ça vous les avez. Pour débriefer un peu sur ces palettes-là. Franchement, je vous dis, je suis vraiment, vraiment, vraiment surprise. Je suis totalement ébahie. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour celle-ci, évidemment. Après, forcément, la verte. Voilà, vous vous doutez bien que j'aime beaucoup. Bien qu'il n'y ait pas assez de vert à mon goût. Je ne vous ai pas dit dans celle-ci, il y a combien de mattes? Attendez, je compte les mattes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 avec le noir. Donc c'est celle qui a le plus de mat. Il y a un beige et un noir. Donc elle est vraiment plus complète que les deux autres, les trois autres. Donc gros coup de cœur pour celle-ci. J'aime bien celle-ci et j'aime bien les deux autres aussi. Voilà, franchement, la qualité, rien à redire. Ils sont poudreux dans le pan. Si vous tapotez bien votre pinceau, ça se passe crème. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Je pense qu'une nouvelle petite collection de palettes Révolution, enfin Hypers Révolution, va débuter chez moi. J'aime beaucoup l'univers, donc c'est vrai que j'étais déjà tentée rien que par l'univers. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé Hypers. Donc là, je suis bien contente parce que je les trouve vraiment très bien. Franchement, franchement, très bien. Et je vous dis gros coup de cœur sur le noir. Voilà. Donc écoutez, si c'est des petites palettes qui vous tentent, franchement, n'hésitez pas, elles sont bien, je n'ai rien à redire. Il manque peut-être un peu de mat dedans pour vraiment pouvoir varier plus les make-up. Après, si vous cherchez une petite palette, comme je vous ai dit pour la première qu'on a fait, donc la Fortune and Crystal, il n'y a pas beaucoup de mat, donc il faut faire tout le temps la même forme, enfin tout le temps le même genre de make-up avec les mats et vous changez juste les lumineux. Donc si vous voulez un make-up vraiment à faire rapidement tous les jours sans vous prendre la tête, ben, c'est le genre de palette qui vous conviendra. Voilà. Ben, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment scotchée par ces petites palettes. Donc voilà ce qui conclut la série des 4 vidéos. De toute façon, on se retrouve demain en live, je crois, à 20h. Ça doit être ça. Je ne suis pas très sûre, mais ça doit être ça. De toute façon, c'est soit la vidéo à 18h,
Non, c'est un live. Ouais, un live à 20h. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon, de lui laisser des pouces en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lui laisser des gentils commentaires. Tout pareil pour ici. Dites-moi si cette palette vous plaît, si sur les 4, laquelle vous tente le plus. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.